Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle vidéo. On va vous présenter l'INSEP, là on s'entraîne tous les jours. Alors on va débuter par là où on dort, les dortoirs. On va continuer avec la cantine et les cours. Et pour finir, la salle d'Oriola, la salle d'escrime. Alors ici on est dans le bâtiment là où il y a nos chambres, donc le dortoir. Donc on dort ici en semaine quand on a entraînement et les week-ends souvent on rentre chez nous. Voilà, et il y a un petit espace commun là-bas qui s'appelle le lounge avec baby-food, piano, télé. Là on est devant la cantine de l'INSEP, c'est là où on mange le matin, le midi et le soir. Nos repas ils sont équilibrés en fonction de nos entraînements. Oui, donc on a tout un set, on peut choisir nos féculents, nos viandes, nos légumes, etc. Il y a une partie entrée, une partie plat, une partie dessert, on se sert et voilà. Alors là, on est devant l'espace kiné. C'est là où on convient quand on est blessé, quand on a des petites gênes. Il y a toute une équipe super efficace qui sont avec nous. Et aussi, dedans, il y a un espace de récupération avec de la balnéothérapie, des massages de récupération. Et on peut prendre des rendez-vous avec l'espace de l'accueil qui est juste là. Dans le bâtiment là où il y a nos salles de cours, donc c'est là où on vient pour étudier. Et c'est important aussi d'avoir un double projet, escrime et aussi les cours en parallèle, parce que l'escrime c'est un sport amateur et c'est important d'avoir des études à côté. Maintenant on est devant la salle d'Oriola, c'est le bâtiment de l'escrime, là on s'entraîne deux fois par jour. Voilà, suivez-nous. Du coup ici on est à l'espace balnéothérapie. Il y a un espace chaud et un espace froid. C'est après les séances d'escrime ou les séances de musculation pour avoir une meilleure récupération. Le but c'est d'alterner le chaud et le froid. Et ça permet de relâcher le corps, relâcher les muscles et d'être meilleur pour le lendemain. Maintenant on est devant la salle du fleuret. Alors il y a trois types de salles. Il y a le sabre, le fleuret et l'épée. Et nous, la salle où on s'entraîne, c'est la salle qui est ici. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt sur un prochain visio. Ciao, ciao.